bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour Chez Vous. Notre thème est aujourd'hui, et doit-on imposer des limites à nos relations Et je me demande, dois-je vous imposer des limites ah, Absolument pas <laughs> T'as déjà mis une distance entre ça toi. Bon, on va parler en fait, on va vous encourager les personnes à développer du discernement dans leur relation autour d'elles. Et c'est possible, et on doit avoir certaines limites. Et Aurélie va nous, en, nous informer, nous enseigner là-dessus. Et toi, Annabelle, tu vas faire une rubrique famille. Oui, sur l'amitié parents-enfants, est-ce que c'est conciliable Est-ce que c'est possible Et on va voir comment... Euh... Comment ça peut se passer Très très intéressant. Et comme on l'a dit hier, notre chère animatrice Yveline Lebeau n'est pas là cette semaine et je la remplace et je fais du bon travail. Ok. Merci, on l'as mise. Tu en fait, Lenneth. Tu as ta rubrique, Annabelle. Nous en parlerons après l'émission. Il y aura un mail qui sera envoyé, c'est sûr et certain. Alors, ma chère Aurélie, on va commencer avec toi tout de suite dans la pensée du jour. Yes. Alors, le titre de ma pensée aujourd'hui, c'est les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs ». En fait, c'est un verset biblique que vous connaissez certainement, qui se retrouve dans 1 Corinthiens 15 au verset 33. Et juste pour vous situer le contexte de ce verset, en fait, les Corinthiens ont reçu l'évangile, la bonne nouvelle, ils ont reçu la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus et quelques-uns qu'on va appeler ici les mauvaises compagnies ont commencé à dire en fait que la résurrection des morts ça n'existe pas. Donc Paul a dû écrire aux Corinthiens et il leur a dit revenez à votre bon sens, souvenez-vous, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, les mauvaises compagnies ont la capacité de corrompre le message de l'évangile que vous avez reçu, qui vous a été prêché, et ça, c'est dangereux. Lorsqu'on comprend ça, on comprend deux choses. La première, c'est qu'il faut apprendre à discerner qui sont les personnes autour de nous. Alors, je vous pose la question, qui sont les personnes autour de vous? Qui sont vos meilleurs amis, en fait? Est-ce que les personnes avec qui vous passez du temps au téléphone sont des personnes qui vous encouragent à vivre dans le péché, qui remettent en cause l'Évangile, votre relation avec le Seigneur? Ou alors les personnes qui sont autour de vous, c'est des personnes qui vous challengent dans votre foi, des personnes qui vous encouragent, des personnes avec qui vous pouvez parler du Seigneur dans la joie, vous pouvez vous édifier et pour qui c'est normal. C'est des questions qu'il faut se poser. Si vous êtes entouré du groupe des personnes qui ne vous encouragent pas vraiment dans votre relation avec le Seigneur et qui vous poussent à vivre dans le péché, en fait, vous êtes entouré de mauvaise compagnie. Et il faut que ça change. Et c'est important de remarquer ici dans ce verset biblique qu'on a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On n'a pas dit les bonnes compagnies corrompent les mauvaises mœurs. C'est pas ce qui est dit. On a parlé des mauvaises compagnies. Ça veut dire que très souvent ce sont les mauvaises compagnies qui gagnent du terrain et qui arrivent à leur fin en fait. Et dans la version Parole Vivante, le verset qu'on a lu dit ben ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il, il rajoute elles ruinent toute morale. Et des draps de les caractères les plus résolus. Mmh. Ça veut dire qu'on peut être très affermi, on peut être très, très résolu, mais les mauvaises compagnies ont quand même le pouvoir de ruiner une morale qu'on se serait construite, en fait. Mmh. Mmh. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas influencer euh, d'autres personnes, des personnes qui sont peut-être plus faibles dans la foi, mmh. des personnes qui peuvent peut-être être des mauvaises compagnies euh, pour une saison. Ça ne signifie pas cela. Mais ça signifie qu'on doit faire preuve de discernement et vraiment reconnaître qui est cette personne qui est à côté de moi. Et ça signifie aussi que le niveau de relation qu'on entretient avec les personnes aura forcément un impact sur notre vie. Alors, la deuxième chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous avez le droit de limiter vos relations avec les personnes qui ne vous font pas grandir dans le Seigneur. Et ça, c'est très important. On les aura appelées des personnes toxiques. Mais vraiment, vous avez le droit de le faire. On dit souvent que pour réussir dans la vie, il faut savoir se discipliner et c'est vrai. Et pour être aussi dans notre relation avec le Seigneur, il faut savoir se discipliner. Il faut savoir éliminer les distractions. Et les distractions arrivent souvent ben, par des personnes qui nous font des propositions qui ne glorifient mmh. pas le Seigneur. Les mauvais amis vont toujours vous pousser à faire des mauvais choix. C'est pourquoi il faut vraiment que vous sentez que vous discernez en fait, qui sont les personnes, quelle est cette personne qui m'entoure, est-ce que c'est un bon ami, est-ce que c'est quelqu'un qui m'amène à un autre niveau dans ma relation avec Dieu, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui me tire vers le bas. Bien sûr, il ne suffit pas de juger les gens pour dire cette personne est parfaite, cette personne fait telle chose ou telle autre. Non, personne n'est parfait, et vous non plus, mais il suffit tout simplement de demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer pour faire les bons choix et pour que toute mauvaise compagnie soit éloignée de notre vie. Amen. amen, amen, amen. Merci Aurélie pour ta pensée, elle est vraiment puissante et vraiment à la maison. Je vous encourage à la réécouter parce que quand Aurélie parlait, il y avait chaque point, je m'arrêtais, j'essayais de réfléchir avant d'aller au point suivant parce que c'est très important. Des fois, on pense que les limites dans les relations, c'est pour voilà, les personnes avec qui je vais sortir au cinéma ou bien faire des activités. Mais en fait, la plus grande relation qu'on a, c'est notre relation avec le Seigneur et on doit vraiment y veiller. Et il y a des personnes qui vont nous détourner de ça, qui vont nous refroidir ouais. alors qu'on vit peut-être un challenge et puis c'est gens dont la foi n'est pas là pour nous booster, mais au contraire pour remettre en question. Et ça, c'est très important. Et on va tout de suite aller à notre verset du jour. C'est dans Proverbes 22, le verset 24 à 25. La Bible dit, ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il ils deviendrait un piège pour toi. Et vraiment, là, dans ce, dans ce verset, on voit que lorsque nous fréquentons certaines personnes, non seulement ils vont nous exposer, on va être exposé à un certain comportement, à certaines choses, mais ils vont devenir un piège, ils vont vraiment nous détourner de, 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 de notre voie. Et des fois, tu as parlé des personnes toxiques, Aurélie, des fois il y a des gens à qui c'est facile, c'est des amis, des connaissances de travail, peut-être des gens dans l'église, peu importe. On peut dire, bon, lui, je ne le laisse pas, je ne vais pas jusqu'à un certain niveau de fréquentation ou d'intimité avec lui, mais des fois il y a des personnes qui sont toxiques, mais qui sont intimes aussi dans notre vie. Mm -hmm. à, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire oui, effectivement. Quand on parle d'amis, ben, on a le choix. On a le choix de choisir euh, ses amis. Mm -hmm. Mais du coup, euh, c'est facile, comme tu dis, de dire, OK, toi, ciao, ciao, bye bye. Je veux plus de toi si t'es quelqu'un de toxique. Mais dans la famille, parfois, on a des frères, on a des sœurs, on a des parents qui ne nous encouragent pas toujours dans notre mm -hmm. relation avec le Seigneur. Mm -hmm. Et c'est important à ce niveau de savoir que aussi, si c'est facile de limiter euh, les relations amicales, celles qu'on a choisies, ben, les relations familiales, en fait, ce n'est pas juste euh, au revoir papa-maman, ce n'est mm -hmm. pas ce que le Seigneur nous demande de faire parce que la Bible nous demande d'honorer nos parents. Mm -hmm. Et dans ce principe, en fait, là, lorsqu'on a des relations toxiques qui sont proches comme ça, mais il faut faire preuve de sagesse, en fait. Mm -hmm. Je me rappelle de ma petite cousine qui un jour m'a appelée pour me dire. Je sais que toi, tu as vécu des choses similaires. Dis-moi comment je dois faire parce que au niveau de la famille, de sa famille à elle, en fait, elle n'arrivait pas à avoir le contact avec euh, euh, les parents parce que les parents étaient vraiment comme... Euh, ils ne supportaient pas, en fait, euh, la, la foi parce mmh. qu'elle avait accepté le Seigneur. Et moi, je lui avais dit quelque chose, en fait. Je lui ai juste dit, en fait, c'est ton attitude qui va faire la différence mmh. et c'est l'amour que tu vas manifester vis-à-vis -vis des personnes de ta famille qui va faire la différence. Ça ne sert à rien parce que trop souvent, quand on accepte le Seigneur, on, on a cette attitude. Il ne faut pas jouer la fille super spirituelle à la maison et tout le monde est le pécheur euh, mm -hmm. surqualifié. Ce <laughs> n'est pas ça qu'il faut faire. Mais vraiment, je lui disais, participe aux discussions, ne t'exclue pas, même si les discussions semblent euh, ne pas te convenir. Ce mm -hmm. pas des choses agréables. Mais toi, participe avec amour, donne ton point de vue qui est le point de vue biblique, mm -hmm. mais soit avec les autres, soit avec eux, participe et manifeste l'amour. Mmh. Bien sûr, avec la sagesse du Saint Esprit, les choses vont se faire, mais il faut beaucoup manifester l'amour dans ces cas-là. Mmh. Ouais, dans des relations familiales, c'est ça, faut manifester l'amour parce que c'est comme ça qu'on va les gagner. Mais dans d'autres relations qui sont des relations amicales et euh professionnel peu importe, là, à ce moment-là, il faut avoir ce discernement, il, faut, il faut choisir, parce que des fois, les gens, ils ne savent même pas qu'ils ont le pouvoir de choisir, ils ont vraiment ce, ce libre-arbitre de choisir et de discerner pour, pour ne pas tomber dans des relations qui ne nous sanctifient pas, qui, au contraire, nous amènent mm -hmm. à tomber, à chuter, mais vraiment dans le cas, par exemple, des personnes, je pense à des personnes comme le cas de ta cousine, qui sont qui veulent gagner leur, 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 leur famille, par exemple, mais mm -hmm. quand tu as des amis, quand ton entourage qui est hors de ta famille sont des personnes de foi, justement ça va aussi te fortifier mais si déjà dans la famille il y a ce, ce cadre là et que mmh. tes amis aussi c'est la même chose ben là c'est sûr que ça va être ouais, trop lourd pas France, et tu pourras, ouais. pas, tu pourras pas continuer justement ouais, puis bon, le, le but c'est pas de se mettre complètement dans une bulle mmh, hein. mmh. On, on a, le Seigneur a dit euh, bah, il a prié le Père de ne pas nous, nous enlever du monde mais nous, nous en préserver mmh. donc en fait euh, en se réfugiant dans Jésus on va, on va se préserver des gens, des gens comme ça. Donc, on a, on a vraiment des coupures à faire avec certaines relations. Mmh, mmh. Et dans certaines euh, autres situations, on n'a pas le choix de supporter leur présence. Hein. Mmh. Et même des fois, là, tu parlais de frères et sœurs, mais des fois, c'est des conjoints. Hein. Ah. Mmh. Des fois, c'est des conjoints. Des fois, on hérite. Euh, d'une mauvaise décision prise 30 ans plus tôt et on mmh. se retrouve avec un conjoint inconverti ou un conjoint qui a un temps a été chrétien engagé puis il s'est refroidi. Mmh. Il y a toutes sortes, toutes sortes de modèles. Mais on se retrouve des fois dans une relation de couple mmh. euh, où on a besoin d'être préservé. Et là, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de se réfugier en Seigneur et d'agir, comme tu disais, avec sagesse. Mmh. Le but c'est pas de fuir, hein. le but c'est vraiment d'être préservé parce que le plus important c'est notre cœur mmh. et, et là où, où l'influence va, va jouer c'est justement dans notre cœur pour nous faire douter de Dieu, nous faire fléchir dans la foi, peut-être nous refroidir et puis peut-être même aussi changer notre caractère. Des fois on côtoie des gens de tellement proches qu'ils arrivent à même changer notre caractère. Et euh, il faut toujours garder en tête que Jésus est là pour nous préserver, le Saint-Esprit est en nous pour nous préserver. Je, je veux dire aux gens, comme que le, un peu ce dicton-là se dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent, ceux qui se ça. ressemblent s'assemblent, et puis tu peux te dire, ben, regarde autour de toi, ceux qui mm -hmm. sont autour de toi, c'est entre guillemets, c'est un peu ça que tu vas dégager aussi, c'est ouais. important mm -hmm. de le comprendre aussi. Il mm -hmm. faut être celui qui va... Changer la saveur du groupe dans lequel on est. Mm -hmm. C'est ça. Il faut être le grain de sel qui va apporter le changement de saveur. Mm -hmm. ouais. Tu as un grain de sel sur, un, sur une patate, ça change de goût. <laughs> oh, le goût. Ça, c'est puissant. On peut faire une citation. Oh là là. Alléluia. Mais c'est aussi important. <laughs> C'est important en Sur fait de ne sinon, pas <rire> <rire> de ne faire, euh, faire euh, choisir nos relations comme toi, tu vas me mener plus loin, voilà. ok, donc je te choisis. Ah ça, c'est vraiment de la manipulation. Mmh. Non, ça, vraiment, il faut que le Saint-Esprit soit au centre de nos choix. Il y a des personnes qui ne vont nous amener peut-être nulle part, mais mmh. que nous, on doit amener quelque part. Mmh. Et ça, vraiment, c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on s'est discerné, on s'est dit, ok, moi, je vais aller avec cette personne. Aujourd'hui, peut-être, euh, cette personne euh, vit cette vie. Mais moi, je vais, je vais euh, euh, aller peut-être tirer cette personne-là. Je ne parle pas des gens qui se mettent en relation avec euh, des petits amis qui veulent euh, amener euh, dans le Seigneur. Ah oui. Vraiment, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais il ne faut pas manipuler les gens. Mm -hmm. Il ne faut pas juste se retrouver en train de dire Ah non, elle, quand je la regarde, je vois que par rapport à ma destinée, elle n'a rien à m'apporter, mm -hmm. donc je la mets de côté. Mm -hmm. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. On doit aimer tout le monde. On ne doit pas juger les autres. Et vraiment, on doit choisir nos amis conformément à ce que l'Esprit de Dieu nous met dans le cœur. Mm -hmm. Et vraiment, je voulais juste rajouter, euh, parce que quand on parle de, de, de notre relation avec Dieu, qui est la plus importante, je pense au mot sanctification. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont, vous avez vraiment besoin de prier sur vos relations et demander au Saint-Esprit de sanctifier vos relations. Et des fois, c'est une relation que tu aimes, une personne avec qui tu aimes. Mais tu sais que quand tu te mets avec cette personne-là, il y a un côté de toi qui ressort que tu croyais qu'il n'était plus là, mais qui est là en toi. Et vraiment, si vous priez sincèrement, Seigneur, sanctifie mes relations. Et Dieu va vous montrer les personnes à qui vous pouvez vous attacher et d'autres personnes avec qui vous devez vous détacher pour que vous puissiez grandir. Et quand vous allez grandir, vous allez porter encore plus de fruits. Vous avez peut-être un ministère qui qui sommeille en vous, mais ce ministère ne peut pas éclore parce que justement il y a encore trop trop de choses qui sont autour de vous. Et ça, c'est juste le Seigneur qui va vous le montrer. Ce n'est pas votre propre Discernement, votre propre sagesse humaine, mais c'est divinement que Dieu va vous informer là-dessus. Et avant d'aller dans oui. la rubrique Famille avec toi, Annabelle, on a fait un sondage euh, sur notre page YouTube. Des fois, si vous allez sur la page YouTube de EMCI TV, vous pouvez voir, il y a des sondages et vous pouvez y participer. Alors, notre sondage est Avez-vous une bonne relation avec vos enfants On a posé la question aux parents et euh, 50% ont répondu Oui, nous sommes très complices. 38% ont répondu Oui, mais j'aimerais qu'on soit plus proche. Et 12% ont répondu non, notre relation est distante. Donc, il euh, y a aussi un autre, on a parlé de la famille avec toi, Aurélie. Et dans la famille, justement, il y a l'amitié familiale, il y a la relation du parent et de l'enfant, qui est peut-être des fois une relation plus pédagogique quand l'enfant est petit, d'enseignant, d'encadreur et tout. Mais il y a un aspect amical qui doit être là, parce qu'après, quand l'enfant devient adulte, la relation doit être maintenue. Le rôle du parent change, mais la relation doit quand même être là. Et il y a l'aspect amical qu'on va parler avec toi, Annabelle, tout de suite dans la rubrique famille. Alors, Annabelle, ta rubrique s'appelle « Parents ou copains » et je précise que c'est ta rubrique. déjà tout dit, Nadine. <laughs> Merci Nadine, hein. <laughs> les interventions sont super. <laughs> tu tu autant que tu veux Nadine. <laughs> Donc oui parents ou copains euh, parce que euh, on a déjà entendu cette phrase ah je suis pas ta copine si je suis ta mère je suis pas ta copine si je suis ton père je suis pas ton copain et euh, moi personnellement c'est vraiment qu'un chose je me suis dit quand ma fille était plus jeune, surtout, c'est vrai, je suis pas sa copine, je dois avant tout être sa mère. Et puis finalement, en, en avançant dans mon parcours de mère et en voyant d'autres aussi avancer avec des enfants plus vieux, je, je suis revenue sur ma position. Je me suis dit, ça vaudrait peut-être la peine que je réfléchisse encore un petit peu sur ça. Je suis pas ta copine, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour qu'on soit amis Est-ce qu'il n'y a pas de place pour l'amitié dans notre relation parent-enfant, dans notre relation mère-fille en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une place pour l'amitié et que l'amitié était déjà souvent existante dans nos relations. C'est juste qu'on ne l'identifie pas, euh, pas forcément. Et quand on parle d'amitié et quand on dit aussi je ne suis pas ta copine, c'est le genre de choses qu'on dit pour casser la familiarité parce mm -hmm. que euh, l'enfant peut parler comme il mm -hmm. parle à ses copains. Euh, non, gna, gna. Enfin, ces trucs-là, c'est comme euh, tu parles à qui et je ne suis pas ta copine. Mm -hmm. Et euh, comme un prof aussi pourrait, pourrait le dire. Et c'est parce que le parent ne veut pas perdre euh, d'autorité, ne veut pas perdre de crédit devant ses enfants. Donc, quelquefois, on peut se dire, si je suis amie avec lui, ça risque de, de, ça risque de diminuer mon rôle de parent. Et c'est là où ça va être dangereux. Mais le but de la rubrique, c'est en fait d'identifier l'amitié et savoir comment l'utiliser. Et savoir aussi quelles sont les limites de, de notre amitié, comment réussir à jongler euh, avec ça. Donc, l'amitié ne doit pas être un obstacle l'autorité parentale, parce que euh, je crois que beaucoup de, de parents se privent de développer l'amitié. Je dis développer parce que, comme je l'ai dit, je crois que dans beaucoup de relations, il y a, des, fin souvent en tout cas, il y a déjà cette notion euh, d'amitié entre le parent et l'enfant. Et et quelquefois, on va s'empêcher de développer cette amitié parce qu'on va se dire, si je suis trop amie avec lui, euh, c'est ça, je, je, il va plus me respecter, euh, il va me raconter ses trucs, et puis, tu vois, moi, je ne pourrais pas intervenir, mmh. je ne pourrais peut-être pas euh, sanctionner, limiter, et puis marquer mon autorité. Et en fait, c'est vrai que la discipline et l'autorité, ça fait vraiment partie de notre rôle euh, de parent. Dans Proverbe, on lit, euh, il déteste son fils, celui qui ménage son bâton, celui qui l'aime, cherche à le discipliner. Et la discipline, c'est une marque d'amour envers nos enfants. Et c'est vrai que quand on va voir nos enfants, on va prendre à l'âge adolescent, à 15 ans, en général, les enfants, euh, ils vont... leur ami, ce n'est pas lui qui va lui dire Ok, il faut que tu limites ton temps sur ton téléphone. <rire> <rire> Je te confisque ton téléphone. <laughs> ce week-end, tu ne sortiras pas parce que tu n'as pas fini tes devoirs. Te en général, tes amis, ce n'est pas ça qu'ils vont non. dire. Ça, c'est le rôle de parent. <laughs> Et c'est pour ça, lorsque. On, on... Lorsqu'on prend juste l'amitié et qu'on la calque sur une amitié du même âge, on se dit Ben bah non, on n'est pas amis, ça ne mm -hmm. peut pas fonctionner. C'est une amitié qui va être différente de l'amitié que notre enfant va avoir avec les amis de son âge, en fait. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amitié, c'est juste l'amitié est différente. Elle va se manifester de façon différente et notre rôle à nous c'est de savoir pas vraiment quand changer de casquette mais c'est plus de savoir euh, à quel moment je dois je dois faire vraiment ressortir mon rôle de parent plus parce qu'on change jamais de casquette dans le sens où on n'enlève jamais sa casquette de papa ou sa casquette de maman, mmh. on est parent. On est parent avant tout si on devait faire un choix, je dirais entre être ami et parent, on devrait choisir d'être parent parce que le, le rôle de parent euh, donne une responsabilité sur la vie de nos enfants et euh, et ça, c'est Nadine qui, qui l'a partagé dans une émission, une autre émission. Elle, elle, elle disait les enfants peuvent avoir un tas d'amis, mais des parents, ils en auront pas d'autres. Ils auront juste leur père, juste leur mère. Donc c'est pour ça, que je dois prendre mon rôle de mère au sérieux et pas me fondre dans la masse de, de ses amis. Mais ceci dit, c'est pas un choix qu'on est obligé de faire. On peut être ami et parents mmh. et souvent lorsque ça devient impossible en tant que parent de gérer l'amitié c'est quand on se dit il faut que je sois soit parent mmh. soit ami mmh. Alors, par exemple je prends l'exemple de ma fille euh, moi je lui dis on est d'amis. Quelquefois, elle me dit, non, on n'est pas des amis parce que tu es ma maman et tout ça. Et parce qu'elle, elle pense à ses relations avec ses copines et que c'est pas exactement pareil. Je lui dis, bah, est-ce qu'on euh, est qu partage des choses Est-ce qu'on a du plaisir à être ensemble euh, Est-ce qu'on on est ensemble juste par obligation Est-ce qu'on on aime faire des choses ensemble et qu'on choisit de faire quelque chose ensemble alors qu'on pourrait le faire avec d'autres personnes Bref, plusieurs choses. Je lui oui, 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 tout ça. Donc finalement... Hier soir, elle m'a dit Tu peux dire qu'on est des amis. <laughs> tu peux dire qu'on est des amis, mais on n'est pas des amis comme mes amis avec des amis de mon âge. Ce qui est une bonne chose, d'ailleurs. <laughs> et euh, qu'est-ce que je voulais dire dans ça C'est que, euh, voilà, dans le rôle ami, dans l'amitié, eh ben, je vais permettre peut-être qu'elle qu parle de certaines choses ou qu'elle rigole. On va rigoler et tout ça. Et puis, on va plaisanter. Mais arriver à un moment donné, mm -hmm. là, c'est fini. <laughs> Là, là, non, non, là, je ne vais ah pas avec toi. Là, tu es, es toute seule. <laughs> là, là c'est fini. Là, je suis plus ta copine. Là, je ne t'encourage plus à ça. Là, non, c'est plus drôle. Là, je, 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 dois, je dois intervenir en tant que mère et je ne peux pas me laisser aller. Genre, juste, oh, oh, c'est drôle. Non, non, là, ce n'est pas drôle. Là, il faut que j'intervienne. Donc, je ne change pas de casquette, mais j'ajuste je, je, mes rôles et mes responsabilités. Je sais quand je suis dans le domaine de l'amitié, mais je sais aussi quand je, je dois sortir et de, rentrer dans le domaine vraiment parent avec tout ce qui concerne l'autorité et la discipline. Mmh. Et elle le sait d'ailleurs, et c'est aussi une des limites pour qu'on ait une relation saine. Elle sait qu'on peut avoir une relation d'amis, mais que je reste sa mère avant tout. Et il y a des choses, ça ne passe pas. Franchement, ça ne passe pas. Et. Euh en grandissant c'est certain que quand elle va entrer dans l'âge adulte ce sera différent anne pourra peut-être en parler euh, tout à l'heure euh, donc voilà donc la place de l'amitié dans la relation parent enfant euh, c'est ce que je disais rapidement des critères c'est pourquoi est-ce que c'est bien d'être ami avec ses enfants c'est parce que ça va déplacer ça va dépasser les obligations familiales mmh. les enfants sont pas avec nous seulement au repas parce qu'ils se sentent parce qu'ils sont obligés d'être avec nous mmh. euh, aux vacances ou à Vraiment, les moments obligatoires, c'est les moments libres dans la maison où chacun pourrait être de son côté, chacun pourrait faire quelque chose, mais on décide. Juste d'être ensemble, on va décider de rester à table ensemble et puis discuter. Frank, il va décider de regarder un match de, de truc avec une balle, avec son le truc. truc. Ah ouais. truc. J'ai oublié, c'est quoi le truc que vous regardez Un match faut, de truc. C'est du football américain. Ouais, c'est ça, ouais. tu vas tout se mélangeait dans et ma tête. J'ai vu quelqu'un avec une batte et courir après un ballon. Donc voilà, lui, il fait ça. <laughs> fais un gros mélange, on va hein. continuer, la. C'est continue un appel une autre de notre donc voilà, Anne quand même parle de ses filles et les activités qu'elles qu font, le, les, les choses qu'elles font ensemble. Bah c est, c est, ça dépasse le domaine de l'obligation familiale. Et puis je me souviens quand tu as passé du temps avec ta fille à Noël, tu as dit Mais qu'est-ce qu'on a eu du plaisir ensemble Et pour moi, bah ça, c'est vraiment le synonyme qu'il y a de l'amitié parce que ça dépasse les moments obligatoires dans la famille. Et quand les enfants sont aussi à l'âge adulte, bah ça fait qu'ils ont du plaisir. À être avec nous, à venir nous voir, et que, au même titre euh, qu'ils veulent passer du temps avec leurs amis, ils veulent passer du temps aussi avec nous parce que c'est pas obligatoire, c'est parce que c'est plaisant, c'est agréable, il y a une complicité, on rigole, et en même temps, c'est encore plus fort parce qu'on a cette relation familiale, cette relation filiale. Donc, pour terminer, je dirais que l'amitié, c'est une valeur ajoutée. Et lorsqu'elle est reconnue, elle est identifiée et qu'elle est bien dosée, qu'on arrive à, sa, à, à ne pas tomber que dans l'amitié, euh, ben, en fait, ça va créer quelque chose de, de fort et ça va venir renforcer notre discipline même. Ça va venir renforcer euh, notre autorité et le respect que nos enfants auront pour nous. Ça va développer une relation plus forte sur le long terme. Et donc, j'encourage vraiment les. les... Les, surtout les parents, à identifier l'amitié qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants et puis à sortir eux-mêmes à provoquer ce genre d'occasion qui sont en dehors des obligations familiales, juste pour avoir du plaisir ensemble, juste mmh. pour avoir des bons moments ensemble et que... et c'est ça, des bons moments ensemble et ces bons moments vont venir soutenir, vont venir nourrir la relation et justement, quelquefois, quand ce sera un peu plus difficile, ça met comme de l'huile dans, dans le système, ça met de l'huile dans la relation et c'est une excellente chose mais encore une fois on n'est pas soit ami soit parent et si on devait faire un choix par défaut on devrait rester parent mmh. mais on peut être ami et parent mais nous sommes avant tout des parents et ça faut vraiment le garder en tête mais dans notre relation parent enfant il y a de la place pour l'amitié – Amen, merci Annabelle, elle était très bien ta rubrique. – Merci. – Avec plusieurs pépites, plusieurs points, je crois que les parents pourront, pourront retirer. Mais Anne, j'aimerais quand même te poser une question. Dans le, dans le sondage, 50% des personnes n'ont pas une relation complice avec leurs enfants. Et je, me, je, je pense en fait à des parents qui, en grandissant justement, n'ont pas eu la pensée que l'amitié était une valeur ajoutée. Ils sont restés dans le rôle de parents sans pour autant inclure, ouvrir la porte au rôle ami. Et maintenant, à l'âge adulte, ben, les enfants, on les voit une fois par année, ils ne nous appellent pas. On... Et là, maintenant, des fois, maladroitement, on commence à appeler, mais toi, tu m'appelles jamais. Et puis là, la personne n'appelle pas plus. Mais comment, en tant que parent d'enfant adulte, récupérer et construire une amitié, justement Il ouais, ben, y, a, y a une période de glissement, en fait, dans nos relations par enfant. Mm -hmm. Au moment où ils deviennent adultes, et même ça commence à l'adolescence, Et il y a un, vraiment un virage à prendre. Parce qu'on reste... Le parent, c'est d'abord... D'abord le cadre. Mm -hmm. Puis tu parlais d'amitié, amitié, amitié, amitié. Ça vient d'amour. Hein. Mm -hmm. la, la racine d'amitié, c'est de l'amour. Donc l'amitié entre un parent et un enfant, c'est avant tout de l'amour parental. Mm -hmm. Mais cet amour parental, il va évoluer. Et tu aimes, comment dire Tu vas pas manifester de la même façon quand c'est un tout petit ou quand c'est un adulte. Et euh, quand tu as mal euh, amorcé ce virage quand il rentre dans l'âge adulte, que tu es resté dans ton rôle de parent cadre et sanction, euh, celui mm -hmm. censeur, hein, celui qui va sanctionner. Euh, tu vas manquer quelque chose et tes enfants vont, se, vont, vont te quitter. Donc, si le mal est fait, euh, ce n'est pas sans espoir et le Seigneur peut, peut mmh. ouvrir des possibilités mmh. de faire des passerelles. Mmh. Mais ça va être moins facile que quand on a bien pris le virage à l'adolescence. Ouais. Donc, je vais encourager les parents qui ont des enfants adolescents à bien prendre le virage mmh. et tranquillement passer dans ce rôle moins de sanctionneur, mmh. je ne sais pas comment on peut dire autrement. Mmh. Et puis, témoigner une amitié de plus, de plus en plus... un amour parental de plus en plus amical mmh. sans devenir le copain mmh. pour qu'à l'âge adulte, il y ait cette relation qui existe. Et puis ceux qui ont laissé pourrir la relation, qui ont mal pris le virage, ben, vraiment prier parce que Dieu suscite des occasions. Mmh. Mmh. Et euh, ben, moi, je me souviens d'une... Moi, moi, ma maman, par exemple, elle n'a pas trop bien pris le virage hein, quand on est rentré dans l'âge adulte avec mes soeurs, mais je me souviens d'un jour où j'étais retournée à l'âge adulte, j'étais déjà mère moi-même, j'étais retournée voir mes parents, et puis... Euh, J'ai eu l'immense plaisir d'avoir un moment de partage avec ma maman, ce qui était extrêmement rare. Et on était allés se promener dans un petit chemin près de chez nous. Puis on avait eu une grande discussion, mais vraiment euh, plus d'amitié d'adultes. Et puis, euh, ça m'avait tellement, tellement fait de bien. Donc, c'est pas parce que c'est pas construit ou brisé. Que ce n'est pas réparable. Mm -hmm. Mais il faut compter sur le Seigneur pour susciter des occasions mm -hmm. parce que ça ne va pas se faire tout seul il va falloir euh, y mettre de l'énergie ouais. un petit peu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Anne, pour cet ajout. Et vraiment, on vous encourage l'amitié est une valeur ajoutée dans vos relations familiales. Et vraiment, ça va vous aider au, dans le long terme. Investissez dès aujourd'hui dans cette relation, mais avec sagesse. Comme Annabelle l'a dit dans sa pensée, vous, restez, vous êtes d'abord un parent et votre rôle est d'aimer et d'encadrer votre enfant. Mais l'amitié peut être aussi inclue et doit être inclue justement dans cette relation. Et vous qui n'avez pas d'enfants, vous avez quand même des relations autour de vous. Et comme Aurélie nous l'a dit au début dans sa pensée, c'est important de mettre des limites, mais des limites que le Seigneur va vous, va vous inspirer et non des limites que vous-même vous allez mettre par calcul, par désir d'avancer. Et je vous dis à demain pour une prochaine émission de Bonjour chez vous. Notre thème du jour sera « Servir Christ librement » et nous aurons une rubrique « Actu avec toi Anne » sur l'index mondial de persécution des chrétiens. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous